C'est Zaïko qui a joué à... Qui peut interdire les concerts en France? C'est fini. Il fallait jouer hier, avant-hier. Hier, c'est Zaïko qui a joué à Bruxelles. C'est mort. Leur mouvement de blocage de concerts, c'est terme. Et je vous le dis, écoutez-moi bien, plus personne n'empêchera des concerts en Europe. Terminé. Basta. Fini. Voilà. Fally a été le déclencheur de ce truc-là. Maintenant, les Congolais ne laisseront plus personne les empêcher de rentrer. Après le comportement de certains de nos frères, pisser dans des trucs et jeter ça sur des gens, agresser des petites filles, jeter de la merde, du caca sur des gens, et puis vous dites, vous voulez défendre qui? Vous êtes des gendarmes du peuple, vous défendez les Congolais? Vous êtes les agresseurs des Congolais. Vous êtes les tortionnaires des Congolais. Vous êtes des ignares qui ne comprenez rien, qui vous galvanisez alors que l'opinion publique qui est censée vous soutenir vous crache à la gueule. Vous trouvez quand même le moyen, débile, idiot, de trouver que... Ah ouais, bah, on parle de nous. Putain, le ministre de l'Intérieur de ce pays vous a dans son collimateur. Et vous, le baquet, on parle de nous. On parle pas de vous. On vous critique. On parle pas de vous, on vous cible. On parle pas de vous, on veut vous sanctionner. Certains vont vont passer demain au tribunal, mais d'autres arrestations vont avoir lieu cette semaine. Hein? Bah te belé, bah vous allez triste et belé, bah vous là. Bolanda kaka, bino vous allez journaliste bayak. Arrivé au tribunal de Paris à partir de 11h, vous allez entendre les audiences qui aura lieu au tribunal de Paris et belé. Baroulela. Vous n'êtes pas attaqué aux Congolais, vous êtes attaqué à la France, qui est votre pays d'accueil gratuitement. Avant, je vous l'ai dit encore, Batou Bazalek Kozik Sabakar Nabamo Moko, Bimoke Kozik Sabakar Yabatou. Et pas n'importe où, à la gare de Lyon. Bekoto Vanda Toyokana, Bandeko, Sogito Tiki Makambo, un jour, t'auras bloqué concert à Congolais, Barobé Tabiso. Vous avez douté de moi? Oh, collabo, oh, merci, si, ok. Les musiciens eux-mêmes ont repris ce qui leur appartenait. Le public eux-mêmes n'est plus avec vous. Lorsque 20 000 Congolais rentrent dans le concert, c'est que 20 000 personnes ne sont pas avec vous. Est-ce que vous êtes capable d'organiser un truc et de mettre même 500 personnes dedans, 500 Congolais? Non, c'est que les Congolais ne vous suivent pas. Les Congolais ne vous suivent pas, ils ne sont pas avec vous. Donc vous agressez, vous tabassez les petites filles, vous pissez sur des gens, vous leur jetez des excréments et vous allez vous mettre devant les caméras pour dire « Ingeta, je défends le peuple. » Je fais ce petit live ce matin. Bon, de toute façon, on devait se parler, on devait échanger pour faire un espèce de petit bilan, un premier bilan, on va dire, de cette folle journée et de cette extraordinaire soirée. Donc voilà. J'aimerais simplement encore une fois... Qui peut interdire les concerts en France? C'est fini, il fallait jouer.